coucou tout le monde. Vas-y, Yaki. Ouais, tu prends Salès pour l'attacher. T'es là? Coucou. Bon, il est. On est quel jour? On est lundi déjà. Je sais pas où vous allez venir. Christophe m'a réparé le. Le machin, là, le trépied, là. Mais je l'ai pas pris. Il est 10h13. On part à l'école parce que Mel a oublié son goûter. Du coup, on lui ramène son goûter. Et après, on va essayer d'amener. Stella, Tomeko, pour aller couper ses griffes. Enfin, parce que depuis le temps que je dois le faire, la pauvre, ils sont hyper longs. Là, je vais pas payer pour rien. Je vais pas payer pour rien alors, je vous le dis. Il est dur, mais pourquoi t'achètes pas la place C'est parce que, ouais, parce que si ils ont le noir, je peux pas les couper moi-même. Ah, c'est pas noir, on voit pas la veine. Ouais. Déjà, la veto. Au moins eux, ils savent. La voix déjà à tous les coups. Ils savent le faire. Ils regardent bien. Mon gars, je la vois couper, elle fait tout, habituée. Ouais, après, elle sait à peu près les longueurs, mais bon. J'aurais trop peur qu'elle lui coupe à côté. Un truc comme ça. Ça a dû déjà arriver, hein. Ah ouais, mais moi je panique. Un accident. Il fait mal au cou, je laisse tomber. Il y a des accidents de boulot qui. Ah bah, Togolibar. Il y a des accidents de boulot qui sont plus durs que d'autres. Sont plus graves, il y a des accidents de boulot parce qu'il y a des boulots comme quand t'es pompier, regardez comment elle est. Comme quand t'es pompier, tu fais une erreur de boulot, c'est plus grave que quand t'es. Normalement, on aurait dû prendre la ceinture de. Je te l'ai dit. Je viens de te dire, on aurait dû prendre la. Ah, je sais même pas aller où. La laisse parce qu'il faut l'attacher. Je sais pas aller où. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avec ses laisses dans le tiroir. Il n'est plus qu'il n'y a plus de chemin. Je sais pas. Du coup, on a le temps de rien faire là. Parce que le temps de sortir les filles, le temps de déjeuner et tout, on a le temps de rien faire. Là, on ramène le. Et puis Zizi, elle a mangé le chien. Ouais, elle a voulu. Elle a pincé quand même Rosette. Je sais que ça fait bizarre. Je l'ai disputé du coup, mais après, elle fait ça malheureuse. Et ouais, et là du coup on donne le goûter à Mel, on va à Tomeko. En revenant, je vais attaquer les choses que je dois faire pour le cadeau, je pense. Comme ça j'aimerais bien le déposer en début d'après-midi. Parce qu'après c'est férié. Parce qu'après ouais ça va être férié, donc ça va être chiant. Je sais même pas quand est-ce qu'Emeline va le recevoir. C'est à partir de 10h15 et 10h16. On devra arriver en plein à la récréation. Oui, ils sont déjà arrivés. Oui. Ouais, je vais donner le goûter à ma fille. Il y a plein de petits nains. C'est les petits. Ouais, c'est madame. De fond. Et peut-être qu'il y en a ici. Ils sont comme ça. Je sais pas pourquoi ils font aussi des randonnées. Sous la pluie, super. Il y a de la place ou pas ici pour le verre? Non, il y a de la place. Il n'y a que les grands. Ah non, bah les plus petits sont au préau. Je crois. Ouais, du coup, je vais ah non, là-bas il y a Mia. Ah, bah elle est là. T'inquiète, elle t'a vu. Vu. Elle est là. Bon les amis, je donne le goûter à Mel, j'arrive. Alex, viens voir Noisette. Va chercher. Elle nous ramène la balle. Regarde. Tic, 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 tic. C'est la Den. 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 Lâche. Allez, donne la balle. Je comprends qu'elle est un peu grosse. Au revoir, coucou. On vous a fait une vidéo colis, mais je vous montre pas. Que je pense qu'elle sort seulement après. Donc là, on va juste mettre des bulles. Ouais, je ne sais pas où je vais tout mettre. Après, il faut que ça. Là, c'est moins pour protéger l'autre.
Du coup, je voulais vous prendre un petit peu. Voilà. Il a failli être envoyé dans le vlog quand même parce que on vous a pris un peu dans la voiture. Donc on a été déposer le goûter à Mel et on a été couper les aiguilles parce que là, ça y est, elle a tellement eu peur, elle a fait plus dans le magasin. Mais bon, elle est toute belle, elle a plus des grosses griffes au moins. Donc, mais là, ouais, elle a tellement eu peur, elle a arrêté pas de trembler dans mes bras que. Bah, en vrai, elle tremblait plus quand elle se coupait. Non, en fait, elle avait peur quand on arrivait, t'as vu, dans le magasin. Quand elle coupait ses griffes. Et puis, du coup, au moins, elle est tranquille. Du coup, on est rentré à la maison. Je le mettrai au-dessus. Je sais qu'on a vu quand on est rentré à la maison. Ah, c'est ça, je sais plus. Ah, bref. Et après, on était récupéré Mel, là on a mangé, là on va aller déposer Mel, là on vous a fini la vidéo, voilà. Colis. Là Camille va fermer le colis, on va le peser, et après je vais voir par imprimer l'adresse, comme ça si c'est bon, on part à la poste, déposer ça, et puis on sera déjà tranquille au niveau des colis, hein, malgré qu'il m'en reste encore un de colis, faire que... Parce que je dois prendre d'autres choses de base, mais je sais pas quoi. Donc on verra. Voilà, voilà, voilà les amis. En plus à Action, j'aurais dû regarder s'il y avait des laisses, mais je sais même pas s'ils en vendent à Action des laisses. Bon, si. On les a eu à tout. Bon, mais si c'est que des laisses. Ouais, j'aime pas. Je sais pas. Bah, il faudrait que j'y retourne. Ouais, bah de la merde, vu le prix des laisses. 15 euros. Et je crois que la grande, comme Lignel, la grande, grande vanne a été à 15 aussi, je crois. Au même prix. Donc voilà les amis, du coup, bah, il doit être 14h05, 14h10 max. 14h14. Voilà. Touche-toi. 14h14. Il faut dire qu'on est débile à toucher notre temps. Du coup, ouais, après on va la pause. Puis après, une fois, vous allez le faire tout le temps. C'est du ménage après qu'on va le faire. Une fois, vous allez le faire tout le temps. Je vais voir ce qu'on fait après, mais j'ai plein de choses à faire. Vous voulez faire du brownie? Je dois pendre mon linge, comme elle veut faire un brownie. Bah, tu mets tout au même endroit. Mais en partie. Bah, parce que c'est là qu'il est craqué. Ouais, mais en partout. J'en mets d'abord là. Et puis voilà, hein, là j'ai rangé un petit peu mon canapé, j'ai plié mon linge, d'ailleurs je vais le monter après. Là derrière moi j'ai des trucs de coco, je vais les ranger dans mon armoire parce que je sais pas encore quand je lui fais l'envoi. Je vais voir avec elle. Ah, peut-être que. Non, je pense pas. Non, pas prendre. Mais ceci là. Je voulais vous prendre un peu dans le vlog quand même parce que je vous prends pas beaucoup. Les mémères ça ronfle. Noisette avec Mathieu du coup, c'est comme on est parti là au loft. Et là, elle est restée de moi. Mimi, elle doit être cachée encore sous le canapé. Sur la terrasse, je crois qu'il y avait Kenma, c'est fou. Je sais pas où sont les autres. Aïe, elle est sur la douche comme d'habitude. Et je sais pas où elle est, Sun et. Où elles sont Sun et Kimi. Alors, elles sont peut-être sur la terrasse aussi. Je sais pas où elles sont montées. Le truc si pourquoi parce que je crois qu'il faut que c'est elle qui valide. Bon les amis, je vais essayer de renvoyer un message et je vous reprends tout à l'heure. La saoule, t'es la saoule un peu, ça c'est un vrai. Elle est en train de boire dans mon verre de thé. Elle m'a pipi. Oh, il est belle, mon bébé. Tout ce qu'il y a sur la table. Bébé cul. Une belle noisette. Coucou tout le monde. On est mercredi. On est le 8. Ouais, mercredi 8 mai. Tu vois ma fille? C'est Kimi, vous la voyez pas, mais elle fait des bisous à sa mère. On est mercredi 8 mai. Je vous ai pas fini le vlog hier, du coup, ouais, je vais faire deux jours, mardi, mercredi. Voilà, là vous voyez Kimi, forcément. Hein? Mais devant la caméra. Wouhou!
Bah alors. Quoi? Tu as picolé? Seul. Seul. Attendez, j'arrive. Parce que Seul, elle fait. Non. J'ai dit non. Oh là 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 là. C'est pénible, hein? Attendez, j'arrive, les amis. Désolée, Sonia, elle fait ses griffes sur mon tabouret. Elle m'énerve quand elle fait ça. Elle va tout me l'abîmer. Elle m'a déjà abîmé le dossier. Là, j'ai mis un drap dessus, mais elle est en train de m'abîmer tout mon tabouret. Elle est chiante. Bon, du coup, je vous ai dit, mais je vais. Bah ouais, mais elle va pas faire ses griffes sur les murs, sur l'arbre-chaud, mais pas sur mon tabouret. Il est neuf, elle l'abîme déjà, ça m'énerve. Bref, du coup, je vous ai dit, je vous ai pas terminé le vlog d'hier, du coup, bah, sans deux jours. Et aujourd'hui, je vous ai quasi rien filmé, et il est déjà 23h06. Bah, hier, je crois que je vous ai filmé quoi? J'ai fini. Quand on faisait le colis, je sais plus, j'ai pas filmé grand chose. Bref, bon, on s'est couché quand même vers minuit, hein, il me semble hier. Ah oui. Hier, on a fait trois dessins avec Meg. On peut voir les trois dessins d'hier? C'est celui-là? Alors, on avait fait. On a fait les mêmes, vous savez, quand on pioche les crayons. Donc. L'ange. Donc, ça, c'est moi, bien. Ça, c'est la nuit et le soleil. Voilà. Et Mel, comme on pioche trois couleurs les yeux fermés, du coup, on n'a pas le choix. Moi, j'ai eu les trois couleurs là, et Mel, elle a eu trois bleus. Donc, elle a pas eu de chance. Ensuite, on avait fait. C'est bien? Celui-là, donc ça c'est moi. C'est moi. Mel. Il a mangé un choupa soups, donc il a la langue un peu grosse. Et ensuite, du coup, celui-là. Moi j'aurais pas dû faire la tête comme ça. Moi j'aurais bizarre. Pas dû lui mettre le rouge à lèvres. Mais bon, c'est pas grave. On s'éclate. Et aujourd'hui, on a fait deux dessins. Alors aujourd'hui, on a fait. Celui-là, il a trois couleurs. Hein. Une, deux, trois. Et Mel aussi. Son œil, sa tête et le cœur. Voilà. Moi, j'ai mélangé un peu. Et le plus beau, on vient de le finir. C'est nos plus beaux dessins. Par contre, là, on a fait, on a pioché chacun quatre couleurs et on a mélangé les huit couleurs. C'est trop mignon. C'est trop mignon, ma chambre. Je vais le mettre dans ma chambre. C'est trop mignon. Je vais le mettre dans ma chambre. Alors, donc on a fait plein de dessins avec Meg depuis hier. Alors, pour la journée, du coup, ce matin, on s'est levé, il était 9h30. J'ai pas voulu dormir. À peu près. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez deux minutes. Qu'est-ce qui s'est passé hier quand j'ai récupéré Mel à l'école? Hein? Je te raconte? Mais hier, elle avait sport avec l'école. Oui, j'avais sport. Puis, comme une de mes copines, qui s'appelle Lou, elle m'a fait peur sans faire exprès. Et bah, du coup, j'ai trébuché sur l'angle à mousse. Et du coup, j'ai atterri sur mon bras qui est là, sur mon bras gauche. Et du coup, je me suis fait mal. C'est fait très mal. Mais bon, la maîtresse, elle me l'a pas dit et c'est elle qui me l'a dit à 4h30. On est parti à l'hôpital, mais apparemment, j'ai rien. Ça va, j'ai pas de stressé. Mais moi, donc, en sortir, je dois prendre. De Doliprane par 5 jours, je crois. C'est ça. Donc, elle me l'a dit à 16h30. Donc, bon, son bras pas gonflé, pas bleu, rien. Donc, j'ai dit, bon, on verra si ça passe, c'est le coup, c'est normal. Mais ce matin, quand on s'est levé, elle avait encore mal. Du coup, on est à l'hôpital cet après-midi pour quand même faire une radio. Pour contrôler. Okay, c'est très bon. On est arrivé à l'hôpital, il était 14h10. On est ressorti de l'hôpital, il était 17h40. On a passé 3h30 aux urgences. Alors, la première heure, ils ont donné que du Doliprane à Mel. Ils l'ont pesé. Au bout de 2 heures, elle a quand même fait sa radio. Et au bout de 3h30, on a vu le médecin. Elle a aucune fracture. Donc, c'est à cause du cou qu'elle a mal. Donc, voilà, Doliprane pendant 5 jours. 3h30, donc on a passé notre après-midi, moi et Mel, aux urgences. Attends,
en fait, elle a du mal à le... Dès que ça, elle le lève, qu'elle le plie, elle a mal. Super. Ce mercredi. Voilà. Le mercredi, il est passé hyper vite. Hein. C'est pourquoi, parce que je prends une photo, là, moi, je me mets comme ça, avec l'oreille dans ma bouche, et tu prends une photo de moi. Pourquoi faire? Comme si je sautais, que j'étais déjà à ta vie. Et du coup, elle a des idées bizarres, ma fille. Ouais, du coup, je voulais quand même vous finir ce vlog-là, parce que je vais essayer de faire un vlog, du coup, sur... demain, on est jeudi. Comme il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'essaye de faire des vlogs de 2 jours, comme on ne fait pas grand-chose. Donc là, je pense que jeudi, vendredi, ça sera le même vlog. Et samedi, dimanche, peut-être le même vlog ou pas de vlog, je sais pas. Ou je filmerai 4 jours, j'en sais rien, en fait. On verra bien. Mais aujourd'hui, vous voyez que je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, je vous ai mis le vlog du jeudi 2 et on est mercredi 8. Donc, 6 jours d'écart. Mais c'est pareil, je crois que j'ai filmé deux fois 2 jours, où il y a une journée aussi que j'avais pas filmé encore, donc c'est pas très grave. Et là, il faut que je fasse un montage ce soir. Là, j'avais fait le montage hier soir, et au moins, j'ai pu vous mettre le vlog à 19. Je sais plus si j'ai mis à 19h ou à 20h aujourd'hui. J'ai mis à 19h, parce qu'en fait, j'avais oublié de le programmer. Hein? T'avais déjà mangé les paquets que t'avais entamé? T'en avais entamé un paquet déjà? Tu l'avais mangé? T'en avais ouvert un quand maman te les a ramenés? Oui. T'avais déjà tout mangé le paquet? Ou c'est celui-là? Non, c'est pas fini. Tu l'avais fini? Bah oui. Ah, ce que j'allais dire, sinon après si tu ne les manges pas, ils vont sécher et ça va pas être bon. Voilà les amis, du coup. Pour, maman, c'est quoi la meilleure partie de l'Oréa? Non. C'est l'intérieur, c'est le lit. Après, quand je vous dis on m'a pas prévenu tout, j'en veux pas à l'école parce qu'elle est tombée au sport. Hein, parce qu'un accident, malheureusement, ça peut arriver, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Mais elle aurait pu au moins m'en parler, la prof, pour le pied. Parce que c'est arrivé du coup vers 14h30, à mon avis. Entre 14h30 et 15h. Donc voilà quoi. Elle est restée jusqu'à 16h30 déjà qu'elle avait déjà mal. Hier soir, elle a eu mal toute la soirée. Ce matin, elle a encore mal. Enfin, elle a encore mal, hein, mais. En fait, si elle ne bouge pas, ça va. Mais dès qu'elle le bouge trop ou qu'elle le lève ou quoi, elle a mal. Du coude jusqu'au poignet. Je perds mes mots, je sais même plus comment ça s'appelle un poignet. Voilà. Tu te grattes? Voilà, voilà. Bah, du coup, moi, j'ai rien fait à la maison aujourd'hui, mais bon, ça va. Camille, elle m'a. Je vous dis, elle avait préparé tout pour le barbecue, enfin la viande et tout. Elle avait préparé le goûter. Elle m'a fait la litière des chats. Elle avait fait toute la vaisselle à l'oc, elle avait fait la viande et tout. Donc bon, ça va. Là, moi, je vais prendre mes serviettes quand même, parce que faut quand même que je les prends. Et puis, alors, tant pis, on fera peut-être plus de ménage demain, mais... Et là, elle est KO. Je ne sais pas si vous la voyez, elle la boit dans le canapé, mais elle est KO. Ils ne m'ont même pas rangé leur bouteille de thé. Elle est KO. Noisette, je l'ai mis avec Alexis. Elle dort avec Alexis. Le soir, je la laisse pas en bas. Parce que sinon, avec Daisy, c'est bagarre. Ou Noisette, elle a son caractère, par contre. Hein. Elle a vraiment son caractère, petite merdeuse. Elle. Elle essaye de. De manger, entre parenthèses. Elle grogne, elle fait voir ses dents. Et il y a des fois, elle essaye de pincer les autres filles. Donc, elle l'a fait. Bah, apparemment, elle l'a fait avec Daisy. Elle le fait beaucoup avec Elsa parce que dès qu'Elsa se rapproche, comme elle est à hauteur du canapé, ça ne plaît pas à Noisette. Parce que Noisette, elle monte au canapé, donc ça ne lui plaît pas. Et pareil, si en fait, genre les promenades ou dans la maison et tout, elles ne vont pas se battre. Mais dès que Noisette, elle est dans le canapé, si elle est à côté de moi ou à côté de Christophe ou quoi, et que même Stella s'approche, là c'est mort, elle grogne et elle fait voir ses dents et elle essaye de mordre. En fait, je pense qu'elle est un peu jalouse et... Elle veut, si elle est à côté de nous, elle veut être toute seule en fait. Mais bon. Du coup, on lui explique qu'elle ne peut pas parce que bah, c'est tout le monde en fait. Alors, Stella aussi, elle lui avait fait tout à l'heure. Du coup, je l'ai engueulée aussi. Non, elle l'a fait à Elsa, Stella. Du coup, je l'ai disputée aussi. Je vous dis, c'est pire que des bébés. Pour les engueuler, pour leur dire.
Voilà. Ah, et puis, maman, tout à l'heure, Noisette, elle a... Attends, c'est avec le téléphone de la chaîne. Noisette, tout à l'heure, elle a gros, elle arrêtait pas de grogner, en fait, sur Stella, parce que moi, j'étais installée là, bah, là au bord. Stella, elle se met toujours là à côté, puis là, il y avait Camille. Stella, elle passe toujours ses pattes comme ça, bah, comme un peu les humains, en fait, parce qu'on est en train de prendre le goûter. Donc, forcément, ils sont là, voilà, à côté. Là-bas, il y avait Christophe à sa place, et à côté, il y avait Noisette. Donc, l'autre côté de la table. Et comme elle voyait Stella avec les pattes là, devant le goûter, du coup, elle lui grognait dessus, de peur que Stella prenne des gâteaux et qu'elle la mette en arrière. Du coup, je leur ai donné chacune un petit morceau de chou à la crème et elles étaient contentes. Par contre, elles ont le chou à la crème, elle n'en a pas voulu. Elle m'a regardé, non. Elle a tourné sa tête, elle n'en a pas voulu. Voilà. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Voilà, mais sinon ça va, je suis contente parce que là, bah, la première journée, forcément, elle ne nous connaissait pas, comme je vous l'ai dit. Donc, le temps que mon parrain est à l'hôpital, forcément, elle ne nous connaît pas. Donc, elle ne voulait pas manger, elle ne voulait pas boire, elle pleurait. Et là, au final, bah, elle mange très très bien. Elle va prendre 10 kilos. Elle boit, mais je la vois pas forcément aller vers la gamelle d'eau, mais elle boit quand même. Mais manger, elle mange super bien. Et elle est fan des petites balles, là. C'est toutes les balles à Stella, là. Mais j'ai des balles de tennis, elle en veut pas. Et j'ai des balles de pouette-pouette, là. Elle adore les balles, là. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue avec dans le canapé. Elle nous les jette par terre. Et même si elle est juste là, hein, elle va pleurer pour qu'on lui redonne. Parce qu'elle va pas descendre du canapé pour aller la chercher. Ou alors, elle va jouer et puis la faire tomber, elle va les faire tomber en dessous du canapé. Donc Stella, qui a un plus gros popotin, elle bat en dessous du canapé, mais Noisette, qui est plus fine, elle veut pas y aller en dessous du canapé. Du coup, à chaque fois, elle nous regarde, elle pleure, elle aboie, jusqu'à temps que bah, c'est moi, hein. La plupart du temps dans la journée. Bon, il n'y a que moi, quasiment, qui l'a fait, Camille l'a fait, mais quand j'étais à l'hôpital. Sinon, toute la journée, j'ai fait que ça. Je m'allonge par terre avec un bâton et je récupère ses balles. Et voilà, j'ai fait ça toute la journée. Récupérer les balles à Noisette. Et là, comme je l'ai monté avec Alexis, comme je vous ai dit, du coup, je lui ai mis une balle avec elle, comme ça, elle a sa balle. Voilà. Ah, c'est toute une histoire quand on a beaucoup d'animaux à la maison, il faut s'adapter à tous. Et eux, bah, il faut qu'ils s'adaptent entre eux, mais ça, c'est pas facile, par contre. Après, comme je dis, comme Stella, Noisette, Daisy, ah, c'est tous des femelles. Je parle pas d'Elzo, parce que Elzo, c'est la vieille mère, elle s'en fout. Elle, le temps qu'elle mange, qu'elle sort, puis qu'elle dort, tout va bien. Mais du coup, Daisy, Stella et Noisette, comme c'est trois femelles plus jeunes, on va dire, du coup, c'est à croire que c'est celle qui va dominer l'autre, en fait. Ils ont des caractères. Mais Noisette, elle est très joueuse, hein, franchement. Stella, elle est plus pépère, quoi. Elle est plus jeune, Stella, mais c'est plus laissez-moi tranquille, où je dors. Ça ne m'étonne pas qu'elle est plus costaud. Enfin, elle n'est pas grosse du tout, Stella, mais je veux dire, elle fait plus que dormir que... Noisette, c'est un petit chien plus speed, en fait. Allez, franchement, avec nous aussi, on n'a rien à dire. Elle est adorable comme tout. De plus, avec les autres animaux, que du coup, bah, les premiers jours, elle tremblait, elle avait peur. Et maintenant, elle veut faire sa loi. Elle veut faire la chef aussi, Noisette. Bon, je pense que quand... dès que mon parrain il rentre de l'hôpital et que je vais lui ramener Noisette... je pense qu'elle va être heureuse de retrouver son papa, c'est normal. Mais je pense que ça va lui faire bizarre. Parce que là-bas, elle était toute seule avec mon parrain. Bon, après, elle s'est retrouvée un petit peu toute seule tant que mon parrain était parti à l'hôpital. Nous, on l'a récupérée, elle arrive dans une maison où je pense qu'elle n'a jamais vécu avec autant de monde et autant d'animaux. Hein. Et voilà, parce qu'elle a toujours été que avec mon parrain. Et là, quand je vais la re-ramener, elle va se retrouver au calme. Alors, soit elle va... ça va lui faire trop du bien, ou soit on va lui manquer, en fait. Voilà. Voilà. Les aventures de Noisette. Là, c'est un photo. Puis on va aller dormir. Je prends mes serviettes et on va se coucher. D'accord? Ah! Il y a des dinosaures. Il y avait un dinosaure, une grosse araignée géante. Ah, elle, c'est la vie des cauchemars. Bah, elle fait peur, hein. En fait, elle a été... Voilà. Ah, puis Sonia, tout à l'heure, elle a essayé de se sauver aussi, mademoiselle. Donc elle s'était retrouvée dans la cour, puis du coup elle était se cachée au niveau du jacuzzi, on n'arrivait pas à l'attraper.
quand j'ai voulu, parce qu'Alexis, il avait peur de l'attraper, parce qu'elle râlait en fait, mais méchant. Hein. Puis, du coup, moi j'arrivais, et puis bah, je l'attrape par le cou, parce que obligé, hein. Enfin, on leur fait pas mal quand c'est comme ça, puis pour essayer de l'attraper. Elle me mettait des claques et tout, puis elle râlait. Hein. Elle voulait pas. Si tu rentres à la maison. Du coup, après, elle est rentrée, et du coup, vous, elle a foncé partout. J'ai ouvert la terrasse, elle est repartie sur la terrasse, du coup. Bon, ça va, aujourd'hui, franchement, il n'a pas fait hyper chaud, mais il y a eu juste un petit nuage de pluie vite fait. Bah, nous, quand on revenait de l'hôpital, donc je ne sais même pas s'il y a eu de la pluie ici. Mais du coup, ça restait toute la journée, toute la journée, sur la terrasse. Donc, elles étaient bien. Hein. Elles étaient bien. Voilà, les amis. Bon. Du coup, je vais vous laisser. Hein. Je vous dis, c'était vraiment pas une journée dingue. Bon, après, j'ai jamais dit que j'allais faire 5 jours de journée dingue, hein, mais bon. Dans un sens, je préfère regarder la télé, même si j'aime pas la télé, que de passer mon après-midi à l'hôpital. Oui. C'est mieux de rester quand même à la maison que d'être à l'hôpital que l'après-midi. Parce que là-bas, c'est hyper bon. Alors, le pire, c'est que quand on est arrivé, il y avait qu'un petit jeune, d'ailleurs, qui s'était trompé. Que ceux de l'accueil avaient envoyé au mauvais endroit, parce que bah, vu qu'il allait avoir 15 ans, lui, c'était les plus grands d'à côté. Donc au final, bah, il n'y avait que Mel. Bon, après, il y avait un bébé, je crois, qui était déjà là-bas dans la salle, et sinon, il n'y avait que Mel dans la salle d'attente. Et au final, bah, c'est nous qu'on est resté le plus longtemps, parce que après, ça a commencé à défiler les gens. Genre la dame qui arrivait juste après moi, sa fille, c'est pareil, c'était au niveau de son pouce, elle était bleue. Donc elle avait une radio, tout ça. Elle a été prise par le médecin avant moi. Elle m'a laissé faire la radio alors que normalement elle aurait dû la faire avant moi, mais elle m'a dit vous étiez là avant, donc allez-y. Donc bon, on va dire que j'ai gagné 5 minutes sur ça. Je suis repassée au médecin juste avant elle, mais en fait elle allait rester 2 heures et demie. Moi je suis restée 3 heures et demie. Voilà. Et après, tous ceux qui arrivaient, franchement, ils étaient vite pris par le médecin, ils allaient vite faire la radio. Nous, je vous dis, il n'y a pas eu une heure pour donner que du Doliprane et 2 heures avant de faire la radio. Et 3h30 quasiment, du coup, pour voir le médecin et pouvoir sortir. Et je veux savoir que nous, on avait oublié notre dossier, je ne sais pas, j'aurais pas dû arriver trop tôt, en fait. Parce qu'après, je vous dis, ça s'enchaîne, il y a plein de jeunes mamans qui sont arrivés avec leur bébé. Il y a ma papa qui arrive avec son garçon. Enfin, franchement, il y a eu beaucoup d'enfants après. Oh, énormément d'enfants. Quand on arrive à 14h, il n'y avait personne, mais on va dire que vers 16h, on va dire, oh, ça défilait. Ça défilait, ça défilait. Ça faisait plus ça. Il y avait énormément de monde. Voilà, les amis. Bon, je vous laisse. Cool. Je vais faire mes serviettes et je vais me coucher. Cool. Allez. Bisous. À demain, les amis. Au revoir, les fans. Les fans. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo Mel s'éclate avec les filtres Snap. Hein. Elle était morte de rire, donc regardez, s'il vous plaît. Faites-lui plaisir, elle dure que 5 minutes, la vidéo. Voilà. Donc, faites-lui plaisir. Je peux. Bisous.